Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mike, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. J'espère que le son est bon et que la qualité de l'invité aussi. Parce que la plupart des temps, lorsque nous faisons des lives, il y a des plaintes. Je voudrais d'abord, au préalable, me rassurer que le dispositif est bien calé et que vous me suivez très bien dans le cadre de ce énième live. Du moins, vous savez, c'est l'un des rares lives solo que moi je fais. Parce que la plupart, généralement, je suis souvent avec des invités, des personnes expertes qui décryptent souvent l'actualité camerounaise. Je suis convaincu que beaucoup de personnes se poseront la question pourquoi ce qui m'a poussé de décider aujourd'hui de parler de cette affaire du tribalisme qui. De plus en plus devient sévit, je vais dire, dans notre société. Mais j'ai pensé à un moment donné qu'il est temps que chacun prenne ses dispositions et qu'il faille que nous donnons notre point de vue sur ce sujet. Parce que nous qui sommes au Cameroun, nous qui vivons ici, c'est quasiment invivable. Pas invivable dans la mesure où. Nous sommes, je voulais dire, flagellés ou attaqués par une ou une personne appartenant à telle ou à telle tribu maintenant, juste parce que sur regard de ce que nous voyons sur la toile, il y a une certaine manipulation qui incite les gens à s'attaquer sur la base de leur identité. Et aujourd'hui encore, il y a eu quelque chose de gravissime, je dirais, qui a été orchestré par ces personnes que je dirais des responsables de cette guerre indirecte afin de conserver certains intérêts. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai été tellement outré, choqué de constater qu'il y a des personnes qui ont certains audimat conscients de la dangerosité de la discrimination ou bien de la haine tribale qui pourrait en découler. Les conséquences ne pourront épargner personne. Conscient de cela, je ne comprends pas comment les gens peuvent se lancer dans ce genre d'aventure. Et la toile de fond de ce sujet, depuis un certain temps, est due à la candidature de M. Maurice Kamto, que vous savez très bien. Vous savez également que depuis qu'il s'est engagé en politique, il y a des personnes, des hommes politiques, qui écument des plateaux dans le seul but de vouloir diviser les Camerounais. Permettez que je dise d'ailleurs que aucune tribu n'a le monopole de la tribalité, aucune tribu n'a le monopole du tribalisme. Ça veut dire toutes les tribus se valent. Alors, il faut donc comprendre que si aujourd'hui cette montée du tribalisme devient de plus en plus fréquente, c'est parce qu'il est temps de distraire les Camerounais des vrais problèmes. C'est parce qu'il faut distraire les Camerounais des vrais objectifs. C'est parce qu'il faut distraire les Camerounais des vrais ennemis de la République, des vrais ennemis de la cohésion sociale, de l'intégrité nationale et du vivre ensemble. Je le dis parce que je fais partie des personnes. Vous savez, lors de la période électorale, mon domicile a été perquisitionné. Je faisais partie des personnes qu'il fallait à tout prix mettre aux arrêts. Aujourd'hui encore, mon nom figure d'après les informations que j'ai, qu'il fallait à tout prix me neutraliser. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a également des personnes, j'ai discuté aujourd'hui avec certains responsables. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Michel Bientôme ne parle plus, pourquoi. Vous deviez savoir que tout est mis en jeu. Lorsque vous n'appartenez pas, malheureusement, excusez ou heureusement à la tribu Bamileke, que vous soyez fiché et que vous soyez combattu. Du moins, lorsque vous appartenez à la tribu Bamileke et que vous décidez autant pour moi d'être objectif et que vous décidez d'avoir une tonalité, un ton libre et que vous décidez d'être indépendant. Donc, tous ceux qui malheureusement sont Bamileke et qui défendent M. Kamto ou par ricochet la justice, sont automatiquement fichés et qualifiés de tribalistes. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi on en est arrivé là. Ben oui, je vais vous dire.
Même ceux-là qui sont indépendants, qui ont une liberté de temps et qui ne sont pas d'accord avec ce régime, sont à tort ou à raison qualifiés de bamileke ou bien de, vous voyez, ils ont une expression de déstabilisateur de la République. Vous verrez par exemple l'aîné, le grand frère, le célébrissime Richard Bona, qui est de Nanga et Boko, parce qu'il a une position qui n'est pas, qui ne va pas dans le sens de caresser le régime du poil. Il est affublé, qualifié de tous les maux d'oiseau. Vous savez qu'il a été interdit de venir enterrer ses parents au Cameroun. Je vais également parler de Michel Bientôme. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi Michel Bientôme ne parle plus, pourquoi il est devenu si silencieux. C'est parce que Michel Bientôme, malgré le fait qu'il soit en liberté, il est aujourd'hui en danger, très en danger même, parce qu'il lui a été dit, s'il tentait encore de critiquer le régime en place, il sera tout simplement arrêté et mis sur le verrou. Michel Bientôme est aujourd'hui sous surveillance judiciaire. C'est pourquoi il ne parle plus. Tout simplement, vous connaissez son ton. Même si, à un certain moment donné, je n'ai pas été d'accord avec sa radicalité, sa radicalisation, mais il faut dire que lui, il n'est pas, il est de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec ce régime. Pourquoi la montée en puissance de la division et de la haine tribale au Cameroun? La réponse est simple. Vous deviez comprendre que les artisans de cette réalité sont des élites qui sont en place, qui ont pour seul but tout simplement de préserver les intérêts. Ils ne devinent même pas un seul instant dans leur tête de laisser quitter les affaires. Même s'il faut qu'ils quittent, il suffit de voir comment ils positionnent les enfants dans les grandes écoles. Il faudrait que cette élite se perpétue. Par conséquent, pour distraire l'opinion, pour distraire les Camerounais des vrais problèmes de leur réalité, il faut créer cette guerre entre les tribus. Les Bamileke contre les Boulous contre les Bamileke contre les Bamou, etc. Or, on est en train de nous distraire des vrais problèmes, on est en train de nous distraire de l'adversaire, on est en train de nous distraire de ceux qui nous foutent dans cette merde. Quand je l'ai dit, j'ai envie encore de dire ici, vous avez vu, je ne dirais pas que Monsieur Kamto est parfait, mais souffrez, je peux me tromper dans mes analyses, que moi j'appuie sur moi de le défendre, parce que j'ai constaté après observation, c'est d'ailleurs la première année que je m'engage aussi de façon profonde en politique, pour dire que je défends Monsieur Kamto. C'est parce que on m'a donné raison de le défendre. On m'a donné raison de croire qu'il est effectivement l'homme de l'heure, l'homme qui est pour la rupture avec ce système. Il suffit de voir les diatribes qui ont été portées en sa personne, en son égard. Des chaînes de télévision l'ont insulté, on l'a critiqué de tous les maux d'oiseau, on l'a taxé de quoi que ce soit. C'était au vu et au su de vous. Cerise sur le gâteau, hier encore, on vient l'interpeller à Douala chez Bernard Zonga avec Penda Ekoka et autres. Tout simplement parce que M. Kamto a décidé d'utiliser et d'aller dans le sens, malgré de nos lois qui sont contestables, de revendiquer ce qui lui serait légitime. Parce qu'il faut dire que le code, je voulais dire, la constitution camerounaise prévoit les manifestations pacifiques. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, la loi dit que vous deviez revendiquer. Quel est ce régime où les seules revendications ou manifestations qui sont autorisées, c'est celles où il faut dire que le régime se porte éternellement bien et que tous les maux qui minent le Cameroun et me sont du fait du Mali, ou bien tous ceux qui critiquent le régime sont essentiellement ceux qui veulent voir le pays aller à feu et à sang. Non, ce n'est pas le cas. C'est plutôt le comportement de nos dirigeants qui veulent autant pour moi, pousser le pays vers le gouffre. Je me souviens encore, il y a un brillant, entre guillemets, il fut brillant, intellectuel qui disait que le Cameroun est sous un volcan endormi. Lorsque vous paupérisez la jeunesse, lorsque vous reproduisez les mêmes élites, vous mettez vos enfants dans les grandes écoles. Lorsque il n'y a plus d'accès pour les pauvres dans certaines structures de la société, lorsqu'il faut appartenir à certains clans, lorsqu'il faut appartenir à certaines loges pour aspirer à avoir peut-être une place dans le système, cela contribue inéluctablement à radicaliser les gens. Je ne dis pas que je suis, vous connaissez mes positions. Je l'ai toujours dit, je suis contre le sécessionnisme, mais il faut toujours questionner pourquoi est-ce que nos frères anglophones sont arrivés où ils sont aujourd'hui. C'est effectivement les mêmes comportements qu'on affiche vis-à-vis des partisans, des militaires et des sympathisants de M. Kamto qui ont poussé les gens à la radicalisation. Vous ne pouvez pas me dire que vous fouettez un enfant lorsqu'il décide de pleurer et
vous le fouettez encore davantage parce qu'il faut l'empêcher de pleurer. Non. À un moment donné, vous rendez cet enfant rebelle. Et ça pourra s'acheminer ou ça peut s'acheminer. Ce que je veux, sur les faits sur lesquels j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est de vous dire de ne pas vous laisser distraire par ces personnes qui veulent à tout prix vous détourner votre attention du réel problème et des vrais adversaires du pays. J'ai un problème avec ceux qui s'attaquent de façon aussi ouverte à nos frères boulous, qui disent, oui, des boulous, le problème du Cameroun, c'est les boulous. Mais je vais vous dire, je vais tout simplement vous dire que, même s'il faut reconnaître, d'ailleurs, le livre d'Ateba Yené, dans le paradoxe du pays organisateur, démontre à suffisance que certains boulots ont beaucoup eu à bénéficier des avantages. C'est un fait, c'est un constat, c'est pas du commérage au sein du pays organisateur. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré chez Ateba Yené à convoquer ce livre, à rédiger ce document, où il se questionne sur le fait comment la région, les boulots, la région du Sud a tout et qu'il restait tout au moins enclavé. Ce qu'il faut dire, c'est tout simplement que cette élite qui est là aux affaires, non pas pour l'intérêt général, pour leurs propres intérêts, c'est eux qui attisent et payent des gens, montent des scénarios sur les scénarios sur la toile pour nous diviser et nous faire croire que nous sommes des adversaires. Non, nous ne sommes pas des adversaires. J'ai envie de convoquer un cas, nous sommes tous jeunes. Lorsque vous comptez sur une fille, lorsque vous jugez pas, ça dépend. Enfin, chacun y va de son pronostic. Vous, a priori, vous ne cherchez pas à savoir d'abord quel est sa tribu. La preuve, il y a les mariages se sont accentués davantage. Tous mes frères ont quasiment épousé les filles. Je vais par exemple vous surprendre en disant que je suis presque métissé, mais tous mes frères ont quasiment épousé les filles du centre ou bien de l'est. La mère de mon enfant, elle est du centre. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de problème tribal entre les Camerounais de la basse classe. Le problème se situe au niveau des élites qui nous instrumentalisent davantage pour nous diviser. Pourtant, c'est eux qui, dans l'optique de vouloir perpétuer le système, nous fait croire non, les boulous doivent s'attaquer aux Baminikés, les Baminikés doivent s'attaquer aux boulous. Non, ce n'est pas ça le cas. Je m'en souviens, il y a un très brillantissime artiste ivoirien, je pense à être Alpha Blondy ou Tikenja Fakoli, qui parlait de diviser pour mieux régner. Effectivement, vous vous en souvenez encore, la conférence de Berlin, il a fallu qu'on ait partagé l'Afrique à Berlin, et parce que les puissances étrangères se sont achoupées, et d'où le nœud gorgé de ce problème fut la rencontre de Savonian de Brazza et Stanley sur le bassin du Congo. On a constaté qu'il y a un affront et les puissances ont décidé de se regrouper pour créer, pour se partager l'Afrique. En se partageant cette Afrique, ils sont arrivés chez nous. Je vous convoque d'aller lire par exemple Team for Apart, le monde faut prendre de Tino Atibi, qui parle effectivement de l'inclusion européenne qui a décidé de diviser les tribus, diviser les propres frères afin de mieux régner. C'est donc le même prototype qu'on est en train d'adopter au 21e siècle dans notre société. C'est-à-dire, l'élite en place va nous diviser pour mieux régner. Effectivement, malheureusement, ça marche, on tombe dans ce piège. Je vous exhorte de ne plus, que ce soit un Bamileke ou un Boulou ou un Béti ou qui que ce soit, qui vous entraîne dans ce champ, vous voyez, difficilement, j'évite d'entrer dans ce débat. Vous voyez, j'évite ce débat qui a trait au tribalisme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir là. Il y a un texte qui circule sur la toile. Il y a un texte qui circule sur la toile avec votre gouvernement. J'ai envie de vous lire le texte en question. Et je vous dirai qui est l'auteur, qui est derrière ce texte. Et ce texte est effectivement le tribalisme. Ce texte a été adressé dans ce texte. Je suis cité, Boris Bertol est cité. Jean-Bruno Tagné cité, d'ailleurs on fait croire que Jean-Bruno Tagné et Amand Mana seraient l'auteur de ce texte. D'ailleurs peut-être certaines personnes ont eu à lire ce texte. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs fait un post en disant à un journaliste de Vision 4 qui nous aurait aussi dit quelle est la machine qu'il utilise qui lui permet d'enregistrer ou de suivre les messages WhatsApp qu'il est dans nos services de renseignement pour que cela permette au moins à traquer ceux qui ont les mauvaises intentions ou bien qui veut mettre le pays à feu et à sang. Donc, je viens ici lire ce texte avec vous. Vous m'accordez juste 2 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi ce texte arrive juste après l'arrestation ou l'interpellation de
de Monsieur Maurice Kamto. Je dis bien, ce texte est attribué à Jean-Bruno Tagne, qui a d'ailleurs fait un démenti à ce sujet. J'ai également discuté avec le directeur de publication du quotidien Le Jour, Aman Mana, pour avoir sa version. D'ailleurs, a priori, lorsque j'ai reçu ce texte, j'ai franchement douté de la véracité de ce texte. Mais il s'avère que c'est quelqu'un, un journaliste d'un média, qui serait derrière. Parce que ce même journaliste, dit-on, une fois ma page Facebook a été dupliquée, la page sur laquelle vous êtes abonné. Et cette page, cette duplication, parce que la personne avait pris les mêmes logos, mais sur cette page, en publiant des messages de haine, des messages de division, beaucoup d'amis qui me connaissent m'ont appelé pour me dire, mais Paul, quels sont ces genres de textes que tu peux écrire? Et beaucoup en font d'ailleurs, ils font des textes, ils signent avec mon nom. J'ai dit non, tout ce que j'écris, j'ai une page, j'ai un compte qui est connu, même dans les forums WhatsApp où je suis, j'assume mes positions lorsque j'écris, allez vérifier. Si des gens ont décidé d'écrire des choses qui n'émanent pas de moi, ça les engage. Mais si, lorsque vous avez été nombreux à signaler cette page, et aussitôt cette page a été bloquée. Je vais donc vous lire ici le texte en question. Grand frère, Kamto sera certainement condamné par la justice. Son casier judiciaire entaché, il ne pourra plus être candidat à rien. Son doux rêve de croiser le rêve avec le candidat du RDPC après la mort du vieil là au pouvoir va donc s'évaporer. D'où il se trouve, il a compris le stratagème. Si notre parti échappe à une dissolution qui se dessine, il lui faudra se chercher un nouveau leader parce que rassembler la famille autour d'un nouveau parti et d'un nouveau leader sera compliqué. Mota, premier vice-président, doit logiquement lui succéder, mais il n'est pas des nôtres. Il ne sera pas accepté à ce niveau de responsabilité. Quelles que soient les critiques que nous allons affronter, le successeur légal doit être un Bamiléké. C'est une question d'efficacité politique. Notre peuple est mûr pour le combat politique. N'éteignons pas cette lumière. J'ai des candidats en tête pour reprendre le flambeau. Mais ce n'est pas encore le moment d'en discuter. Il doit être d'un poids intellectuel incomparable et en rupture de ban avec le régime. Son nom doit être créé en électrochoc. Je vais demander au Youbi, Boris, Chuta de temporiser le temps d'observer. Toi, continue avec tes unes comme celui de lundi. Moi, je vais essayer avec la grande interview de faire quelque chose. Même comme Chatué est très vicieux. Je pense aussi que ce que font nos confrères dans les ambassades ne nous aide pas beaucoup. C'est un moyen de pression qui ne va pas, qui ne rend pas favorable le ralliement de l'opinion à notre cause. Or, nous avons besoin, nous en avons besoin. On doit donc mettre la pédale douce. Je te cherche en journée. Le texte de la personne qui a produit ce texte signe Jean-Bruno Tagné de Canal 2 écrit à Aman Mana, directeur de publication de Le Jour. Donc voilà donc le texte en question. C'est ce texte qui m'a poussé et il a fallu que je fasse cette sortie. Dans les différents forums où certains journalistes sont membres, il y a un journaliste dans le groupe de la droite Vision 4 qui a fait savoir qu'il a une machine pour intercepter les messages. Nous savons, sans toutefois prendre la défense de Jean-Bruno, que Jean-Bruno fait partie de l'un des plus rares journalistes très professionnels de sa génération. C'est d'ailleurs l'un des journalistes qui m'ont fait avoir de l'admiration pour le métier de journaliste. Jean-Bruno Tagné est d'une liberté de ton incontestable. D'ailleurs, vous avez vu l'été, son émission a été primée, consacrée, meilleure émission de l'année. D'aucuns diront que peut-être c'est parce qu'il est Bamiléké. Bon, peut-être c'est devenu un crime d'être Bamiléké, mais malheureusement, j'assume le choix. Je suis Bamanté. Bamanté qui dit Bahante, ça signifie nous avons refusé l'esclavage. J'assume mon identité culturelle. J'assume cela. J'ai pas décidé. On ne m'a pas consulté pour que je naisse. Donc, si c'est devenu un crime, s'il faut à tout prix exterminer les Bamilékés, malheureusement,
ce sera la malchance que j'ai eue. Donc, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, mais je dis encore ici que Jean-Benoît Tagne fait partie de ces brillantissimes journalistes très professionnels incontestables. Ce que vous deviez savoir aujourd'hui, ce journaliste dont j'ai cité qui a Vision 4, a fait savoir à certains confrères que lui, il a une machine qui permet d'intercepter ou d'enregistrer les conversations sur WhatsApp de certaines personnes. Je pense que si il a vraiment eu cette innovation, je sais déjà qu'avec les... D'ailleurs, ce qu'on sait tous, c'est que le clonage est possible. Le clonage est possible des WhatsApp. Mais pour cloner le WhatsApp de quelqu'un, il faut a priori avoir son portable au moins pour 20 minutes. Ça veut dire, si vous n'avez pas le portable et accès au WhatsApp de la personne, vous ne pouvez pas avoir accès à ces messages. À moins que peut-être que la technologie n'ait évolué avec lui, qu'il puisse être dans sa chambre sans toutefois et qu'il puisse lire ce que les uns et les autres se disent. Je lui accorde le bénéfice du doute, tout en espérant qu'il pourra mettre à la disposition de cette machine, mettre cette machine à la disposition des services secrets camerounais qui permettront davantage, parce qu'il se dit qu'il y a beaucoup d'ennemis qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Et ces services de renseignement pourront donc utiliser cette machine pour traquer ceux qui, dans les différentes discussions, veulent détruire le pays. Je pense que si vraiment ce journaliste a eu cette innovation, on pense que même les artisans seront derrière. D'ailleurs, pourquoi pas lui donner un prix s'il a fait cette découverte? Je voudrais insister en disant, pour ceux qui ne le savent pas, les informations que nous avons font état de ce que Jean-Benoît Tagne actuellement, il est en insécurité, il est menacé. Il est question que soit on l'extermine physiquement. Donc, ce que c'est les informations qui nous remontent. Voyez-vous, j'ai envie également de vous dire, lorsque je parlais, parce que ça concerne toujours l'environnement de Jean-Bruno, je parlais tout à l'heure des élites qui, dans le but de conserver leurs intérêts, attisent la haine. Vous savez très bien, ceux qui disent que les Bamileke veulent mettre le pays à feu et à sang seront un peu quand même sérieux à un moment donné. Vous savez que tous ces hommes d'affaires Bamileke, c'est eux qui ont financé le RDPC, c'est eux qui font les pieds de grue pour maintenir le RDPC où il est. Ils s'en cachent pas. On a vu des chefs traditionnels de l'Ouest tirer à boulet rouge sur Maurice Kamto. D'après d'ailleurs les chiffres de l'ELECAM, on nous a fait savoir que M. Kamto a perdu à l'Ouest. Bon, voilà une démonstration d'insuffisance que les Bamileke ne sont pas. Si d'ailleurs voter pour un candidat Bamileke lorsqu'on est Bamileke, c'est tribaliste. Voilà une preuve que les Bamileke ne sont pas tribalistes. Mais ailleurs, on nous a fait savoir qu'au Sud, un candidat sortant qui est du RDPC a remporté avec un pourcentage à la soviétique. Bon, ça pousse à réflexion. Qui est donc tribaliste, qui n'est pas. Mais pour moi, je pense que porter le dévolu sur quelqu'un, je ne vois pas en ça quelque chose de tribaliste. Chacun est libre, politiquement parlant. Il n'y a aucun individu d'une tribu donnée qui ait l'intelligence parfaite et qui ait une intelligence incommensurable au-dessus des autres. Les mots tribu, ce n'est que des mots parce que pour moi, j'estime que nous sommes des frères de sang et que Dieu, qui a décidé de faire de nous des êtres humains, est le seul qui décide et est le seul qui donne les potentialités à chacun en fonction de l'environnement et des chances de pouvoir atteindre un certain niveau de responsabilité dans la vie. Ce que vous devez savoir, c'est que Jean-Bruno Tagne, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir où est passée l'émission La Grande Interview. Allez demander Monsieur Chatier pourquoi La Grande Interview n'est même plus, il vous le dira. C'est pas avec ma bouche que certains mangeront le piment. Posez-vous la question, pourquoi La Grande Interview ne passe plus à Canal 2? Vous savez très bien que Canal 2 aussi fait partie des presses sardinaires, entre guillemets, des médias. Vous savez que la femme de Monsieur Chatier fait partie. Comment on appelle ça? Il y a un truc où c'est le CERAC, c'est très proche du RDPC. Il suffit de voir également la ligne éditoriale. Mais cette chaîne n'est pas une chaîne qui appartient au boulot, c'est une chaîne pro-bamiléké. Donc, vous voyez donc la dichotomie qu'il y a à vouloir attribuer ou coller l'étiquette tribaliste aux uns ou aux autres. Tous ceux qui agissent par tribalisme n'ont reçu aucun mandat des X ou des Y pour poser des pareils actes. Je voudrais qu'on juge chacun en fonction des actes qu'il pose.
Voyez-vous, on doit éviter de verser dans ce genre de situation. Donc, comme j'étais en train de dire ici, le journaliste en question se défend et fait savoir. Non, je vois quelqu'un pour le manga dit tu parles de tribu. Non, c'est important de parler de tribu parce que il y a une montée, peut-être vous ne mesurez pas. Il y a eu un autre voice qui circule qu'on aurait attribué à Bilo Aïssi, l'ancien commissaire, qui ne parle de lui. Il y a plusieurs voix d'ailleurs sur la toile qui appellent à la haine. Il faut, à un moment donné, c'est une réalité, attirer l'attention des gens, de nos frères, de ne pas verser dans cette erreur. Le fait de parler des tribus ici n'est pas essentiellement d'appeler les gens à la haine tribale. Tout au contraire, je demande plutôt aux gens de se renforcer en ce qui concerne la tribu. Moi, j'habite le quartier Nkondongo à Yaoundé. Le quartier est entouré beaucoup plus par les frères du centre du sud des Boulous. C'est eux qui m'ont appris à manger le coq. C'est eux qui m'ont appris à manger le sanga. Les poissons d'eau douce qu'on vend à côté de la station Total Kondo. C'est eux qui m'en ont appris. On cohabite, on joue souvent le 2-0 au petit stade de Mintou. Donc, arrêtons ce genre de discussion. Je dis encore, je réitère que les Camerounais sont très fraternels, mais les hommes politiques veulent à tout prix nous diviser. Et c'est pourquoi chacun à son niveau doit passer le message pour que cela ne pousse pas les gens à l'extrémité. Regardez un peu par exemple. Vous allez voir, il y a un journaliste qui est promoteur d'une chaîne. Je ne vais pas citer la chaîne ici pour ne pas faire une publicité. Qui a fait un voice pour dire comment tous ceux qui ont été détenus et qui défendent M. Kamto sont essentiellement des Bamiléké et que par conséquent, ce parti est un parti de tribalistes. Mais à un moment donné, soyez un peu sérieux. Vous savez de qui je parle. C'est quelqu'un qui disait, puis se défendait, parlait par ailleurs, qui est de l'association de défense de condamnation des homosexuels. Je ne vais pas donner son nom. Il est très proche de l'ancien directeur du cabinet civil de M. Beningue Boutou. Il s'est sûr que la radio qu'il a d'ailleurs ouverte, je sais que ce soit faux, a été financée par M. Beningue Boutou. Malheureusement, pour lui, il n'est plus aux affaires. On apprend également que les employés à ce niveau s'en vont parce qu'ils n'ont plus de salaire. Mais rassurez-vous, il a quand même payé 2 ans de loyer. Donc, il peut encore fonctionner pendant 2 années. Donc, voilà des gens qui, devant le monde entier, devant nos autorités, distillent la haine tribale, incitent à la tribalisation, incitent à la guerre civile. Mais nos autorités sont tellement indifférentes, très indifférentes. Il y a une liste qu'on fait circuler sur la toile. Je vais revenir dessus en ce qui concerne l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France. Il y a une liste qu'on fait circuler pour faire savoir qu'ils ont été interpellés, que tous sont des Bamiléké qui ont décidé d'en découdre avec le régime et que les Bamiléké se superposent comme une super tribu. Mais je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre énormément. Mon frère Boris Bertol, j'ai discuté, je vais vous faire une confidence, j'ai discuté avec lui en off. D'ailleurs, même dans le forum du quatrième pouvoir, les gens le savent. Une fois, je me fais offusquer contre M. Ngannou. Parce que j'estimais qu'il ne devait pas s'attaquer au boulot. Je l'ai fait. Et j'ai même dit à Boris Bertol une fois, j'ai même eu à penser qu'un Ngannou soit un pion du régime. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un intellectuel peut s'attaquer de façon éhontée et effrontée à une tribu. Dites-moi comment, si on veut construire les Camerounais, si on veut construire une nation unie, il faut s'attaquer de façon frontale sur une tribu. Non! C'est contre-productif même pour le changement. Boris Bertol le sait, moi je le lui ai dit, je le dis ouvertement aujourd'hui. Dites-moi comment, de nos jours, on peut rassembler les Camerounais tout en faisant croire que non, les Bamiléké sont au-dessus des autres. Ça ne marche pas. Dieu n'a pas fabriqué un cerveau Bamiléké où il a mis toutes les intelligences du monde et fabriqué un cerveau boule où il a enlevé les intelligences. Non. Ce qui fait l'intelligence, la grandeur, c'est l'environnement et l'égalité des chances qu'on peut donner aux uns et aux autres. C'est toujours pourquoi j'ai dit aux gens, au lieu de faire l'équilibre régional dans les concours, etc., il faut appliquer un équilibre régional au niveau des infrastructures. Si on constate que l'Ouest a 1 000 écoles, tandis que l'Est n'a pas d'école, qu'on fasse aussi l'équilibre, que l'Est rattrape l'Ouest. Parce qu'un Bamiléké qui a grandi au Nord a moins de chances de réussir qu'un Bamiléké qui a grandi à Yaoundé et qui a accès à Internet, à la télévision, aux bibliothèques, etc., etc. Bref, je voudrais par là dire que ce qui fait
la capacité de raisonnement, d'intelligence des gens, c'est l'environnement dans lequel ils se trouvent. Les Bamileke ont pour particularité d'avoir cet esprit de tontina, il faut le dire, qui consiste à avoir une solidarité indécise et un fer. Je pense que les uns et les autres devaient copier cette solidarité. Chez les Boulous, ils ont une tradition assez particulière que nous, au lieu de combattre cela, nous devions plutôt aller puiser. Parce que moi, par exemple, je suis contre le rite de veuvage, qui est un rite inhumain, c'est pratiqué en pays bamiléké. Il faut avoir le courage de dénoncer cela, de dire non. Donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce que, je vous assure, si on ne fait pas attention, on va se retrouver dans une guerre tribale, dans une division indescriptible, et personne ne sera épargné. Donc, je reviens sur cette liste dont je faisais allusion tout à l'heure, pour vous donner un nom qu'on fait circuler sur la toile. Je prends le nom, le document est intitulé, ça circule sur la toile depuis bien longtemps. Le document est intitulé Liste des personnes interpellées samedi 26 janvier 2019 à l'ambassade du Cameroun en France. Il y a une écrivaine qui, je ne vais pas prononcer son nom, excusez-moi, elle a pourtant fait de très belles plumes. Je me souviens encore, je la considérais comme une grande féministe. Mais au regard de l'actualité au Cameroun, les postures, les positions qu'elle a prises, jusqu'à aller faire savoir que les gens qui ont reçu des balles, c'est tout simplement du montage. Il faut vraiment être dopé pour dire ce genre de choses. Même quand on n'est pas normal avec des gens, même quand on n'est pas d'accord avec des gens, pour l'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas descendre aussi bas. Ça, c'est attiser la haine. Ça, c'est pousser les gens à la révolte. C'est pas poli. Je vais vous donner un nom. Je vois sur cette liste dont je parle. Et cette écrivaine, c'est elle qui propage cela. On parle de Maître André-Marie Tassa. À Paris, ce monsieur se trouve à Bafoussam. Vous pouvez investiguer. Il ne vit pas à Paris. Il fait partie des personnes qui ont été interpellées à Bafoussam et acheminées à Yaoundé à 1h du matin. Ils sont au nombre de 37. Quand des gens se lèvent un matin, pondent une liste comme ça avec des noms essentiellement qui ont à consonance Bamileke, c'est quoi le projet? Si ce n'est pas inciter les gens à la révolte, c'est quoi le projet? Ils disaient indirectement là à tout le reste des Camerounais, des autres tribus, que non, les Bamileke sont ceux-là qui veulent à tout prix prendre le Cameroun. Pour eux et léser les autres tribus. Voilà la communication qui sous-tend ce genre de publication. Mais nos autorités sont tellement indifférentes. Ils ne disent absolument rien. Ils sont devenus subitement muets. Ils ont la cécité motrice, ils ne lisent plus. Comment ne pas dire, Kati Noa dit à Mondovision, que si un Bamileke veut être maire, qu'il a été maire à Bahama. Les vidéos ont circulé. Elle n'a jamais été inquiétée. Elle n'a jamais été atteinte. N'est-ce pas des propos qui incitent à la rébellion, qui incitent à l'insurrection? On a vu sur une chaîne que je ne vais pas faire la publicité ici, dit qu'il faut raser les anglophones, qu'ils sont des rats, qu'il faut les dératiser. Est-ce ce genre de propos contribue-t-il à amener à l'accalmie, à amener à fumer le calumet de la paix, le calumet de la paix, ou bien ça incite à la rébellion? Il faut se poser des vraies questions. Nous devons tous, chacun, faire une introspection, éviter ce genre de sortie. Nous devions éviter ce genre de sortie parce que ce n'est pas bon pour notre pays. Monsieur Biya partira. Tous ces grabataires, ces vieillards partiront. Mais le Cameroun va vivre. Vous partirez, je partirai. Le Cameroun va vivre. Dieu ne nous a pas vus. Dieu ne les a pas vus. Dieu ne les a pas vus avant de créer le Cameroun. Faisons de faire croire que non. Nous sommes au-dessus de tous. Évitons. Beaucoup de personnes ont toujours tendance à dire. Souvenez-vous lorsque j'ai dénoncé un journaliste. Qui a abusé d'une jeune fille. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont tenu des réunions à Yaoundé, qui ont donné les 10 000 francs?
Et quand on leur faisait croire que c'est M. Kamto qui m'envoie, parce que je suis bamiléké, et que ces derniers avaient un éponyme qui sonne Boulo, je m'attaque pour Boulo. Soyons sérieux. J'ai fourni toutes les preuves. Le commissaire ou encore la DLPJ, nous étions là, nuitamment, on lui a fourni toutes les preuves. L'huissier a constaté les conversations entre ces derniers jusqu'aux appels. On était prêt à aller jusqu'à fournir le listing. Pourquoi la justice aujourd'hui ne délibère pas sur cette affaire? J'ai toujours eu à dire, si un seul instant j'ai menti dans cette affaire, qu'on m'interpelle. Pourquoi subitement ce monsieur n'a jamais été inquiété? Voilà les bonnes questions. Laissez que non, parce que son nom est, posez-vous la question sur la véracité. Je fais partie de ces gens qui ont eu à dénoncer, critiquer Equinox, parce qu'ils ont abandonné un journaliste à Ouai, que je suis allé rencontrer chez lui à Douala, qui était mourant. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il a eu la vie parce que vous étiez nombreux qui avez contribué pour lui. J'ai dénoncé le traitement du personnel dans cette chaîne Equinox parce que j'estimais que ce n'était pas normal. Mais les gens n'ont pas vu ça. Je fais partie des gens qui ont attiré et qui continuent à tirer sur Canal 2 parce que j'estime qu'on ne doit pas censurer un papier parce que la personne dont le papier concerne. Le papier incriminé a des acquaintances avec le boss. Des licenciements abusifs, vous le savez très bien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi on ne voit pas ça? On voit tout simplement. Moi, je me revendique d'ailleurs comme un citoyen du monde. Je me revendique comme un citoyen du monde. Mes meilleurs amis, j'ai connu à l'université Peupoix-Édouard. J'ai connu au lycée classique de Barenté Mekoulou Bekolo, qui est un ami, on dormait sous un même lit. Nous étions comme ça dans un environnement où il y a tout ce, je voudrais dire, cette symbiose, ce mélange tribal. Donc, je demande aux uns et aux autres, parce que l'heure est grave, je vous le dis ouvertement, l'heure est grave. Il faut parler à vos proches, d'éviter d'écouter ces gens qui nous amènent dans ce sentier. Quand quelqu'un vous dit la porcherie de l'Ouest, la bahamisation, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Aujourd'hui, même manger le tarot est devenu un fait tribal. C'est devenu un fait tribal. Aujourd'hui, parler sa langue maternelle est devenu en fait climat. Aujourd'hui, s'assumer en tant que Bamileke et penser un seul instant que M. Kamto est l'homme de la situation est climat. On oublie de dire aux gens que Charles Famdongo, qui est le secrétaire de la communication du RDPC, est boulou. On oublie de dire aux gens qu'à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a chanté en langue locale, Ayop, Ayop, lorsque M. Biya est entré. Si c'était un Bamileke, suivez mon regard. On oublie de dire aux gens qu'il y a une réalité, parce que dans la sociologie politique ou l'anthropologie politique, vous comprendrez qu'il y a des personnes qui peuvent effectivement suivre un leader politique du simple fait qu'il soit de sa tribu. Ça existe dans tous les partis. Du moment où les tribus vont exister, il y aura toujours cette sorte de tribalité qui va se confondre même au tribalisme. Il y aura toujours du tribalisme. Mais l'instrumentaliser à des fins politiques est très dangereuse. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Est-ce que des médias, des hommes politiques qui sont censés être les oiseaux de Ninive qui prennent leurs envols à la tombée de la nuit, est-ce que ces élites qui sont censées être ces héros platoniciens qui vont dans le monde illuminer, apporter la lumière dans la pénombre, doivent jouer à ce jeu. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. Nous, à notre niveau, on doit prendre conscience parce que certains élites intellectuelles ont échoué pour des intérêts essentiellement gastriques, pour des intérêts essentiellement nombriliques. Ils versent dans la gadoue pour diviser les gens. Vous qui les suivez, qui mangez dans les tonneaux d'eau comme moi, sachez que si vous versez dans ça, si le pays tombe à feu et à sang, ils ont les moyens pour prendre le vol. Ils ont construit des immeubles, des hôtels, des appartements en Europe. Ils vont prendre le vol en 2 secondes pour s'enfuir. Je connais des gens qui ont parfois manqué 100 francs pour prendre un taxi d'un compte de Ngo Ambo, ils sont obligés de marcher à pied. Nous devons dire non.
Dès que vous voyez votre frère, vous le serrez la main, vous dites ce n'est pas votre nom qu'on doit vous diviser. Qu'ils font leur guerre entre eux là-bas. Mais nous devions comprendre que nous avons aussi le devoir de se réveiller et dire non à la manipulation tribale. Nous devions dire non, non, non et non. Je vais vous surprendre. Mes positions n'empêchent pas que j'ai des amis qui pensent que le RDPC c'est le meilleur parti. J'interpelle aussi aux uns et aux autres de ne pas aussi être radical à ce niveau. Moi, je ne suis pas parfait. Même si le RDPC, il arrive que le RDPC ne soit plus au pouvoir demain, on ne doit pas verser dans la chasse aux sorcières. On ne doit pas détester les gens parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue que nous. Dieu nous a créés avec des différences et nous devons utiliser cette différence pour faire un bloc, pour construire le pays, non pas pour le détruire. Le constat amer, c'est que c'est un fait. Ce n'est pas un Congo ça, ni une incitation à la rébellion. En 36 ans, ce régime n'a rien donné, n'a rien foutu. C'est un constat. Pourquoi vous voulez qu'on soit indécent intellectuellement de le dire? En off, eux-mêmes, ils vous le disent. Ces ministres, ils le disent en off. Ces généraux le disent en off. Ces commissaires le disent en off. Ils savent très bien que ce régime est... Le RDPC n'appartient pas seulement à bien. Il y a Divin Dimassel qui est de Baranté et du RDPC. Que Tchakoutèze qui est devenu le gadget du RDPC en remplacement de François Fonné est Baranté, est de mon village. Feuille Claude des Parisiens est de mon est du Ndé. Le chef Baham est de l'Ouest, il est du RDPC. Ngouchige Sylvestre, sur qui on tire ces derniers temps, il a donné 100 millions au RDPC, il est de l'Ouest. Jean Kété, secrétaire, il est de l'Ouest. Vous deviez donc comprendre que le problème n'est pas la fixation sur une tribu, le problème est la fixation sur cette élite qui nous dirige. Et cette élite donc se constitue, paye des gens, même des médias. Regardez ce que les médias nous racontent. Je me souviens un jour, lorsque Père à son âme a venu à voir qui était un très grand ami à moi, très grand ami, je mesure mes mots, lorsqu'on l'a tué, il y a un journal, je cite le nom, Essingam, qui a fait de ça, de Marie-Robert Lungu, un problème tribal, en disant qu'on s'attaque au boulot. Il n'a jamais été inquiété. Pourquoi, aujourd'hui, lorsque les gens décident de se lever, parce que vous avez dit qu'on a une démocratie, de dire, même s'ils ont tort, que le pays va mal, c'est un constat, de dire qu'il faut cesser la guerre en zone anglophone, de dire que les 2000 milliards qui ont été injectés dans la canne et que on achète un sac de ciment à 16 000 francs, un camion de sable à 700 000, pourtant la Sanaga n'est pas loin de l'Olembe, qu'on nous rende compte. Pourquoi lorsque des gens demandent qu'il ne faut pas qu'on fasse une transition de gré à gré, vous pensez qu'ils incitent à la rébellion? Pourquoi vous jouez à ce jeu? Pensez-vous que si le pays s'embrasse, vous serez épargné? Je vous demande, passez ce message à ces responsables, d'aller lire la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. Je demande à ces gens d'aller lire sur la vie de Mobutu, Bokassa. Tous ces gens, allez voir à quoi ressemble leur vie. Il est aujourd'hui, ces enfants, je suivais un documentaire, ont refusé d'enfanter parce qu'ils ont peur qu'ils portent ce nom. Ce n'est pas parce que vous avez le marteau, comme le disait M. Kamto au Conseil constitutionnel, que vous avez pour seule mission de frapper, 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 frapper. Non. À un moment donné, même si vous construisez un pays ailleurs, ayez un peu la décence. Remettez-vous en question de penser que ce pays vous a tout donné et que vous ne deviez pas détruire les Camerounais. Non, non et non. Moi, personnellement, j'ai pensé que M. Kamto est le seul opposant à M. Biya. Souvenez-vous, je faisais partie des personnes qui communiquaient pour M. Matomba. Mais lorsque j'ai su que c'était un vendeur, il vendait l'illusion,
que c'était tout simplement de la poudre de perlimpinpin qui véhiculait, j'ai pris sur moi des 10 qui m'a dessus et j'ai pris mes clics et mes claques, je suis quitté. Souvenez-vous, lorsque je vous ai dit que M. Libi était tout simplement un charognard politique qui avait pour seul rôle de distraire le peuple, on m'a tarsé de tous les maux d'oiseau. Plus tard, on m'a donné raison. Je le dis parce que lorsque vous voyez la violence avec laquelle des hommes, des médias se sont acharnés sur M. Kamto, toute personne qui a au moins eu la chance de lire Mamadou Binetta dans sa vie devait se remettre en question. Pourquoi toujours lui? Il n'est que le seul candidat. Il y a eu trop d'acharnement sur lui. Si on laissait même Kamto sans toutefois faire trop d'acharnement, rassurez-vous, ça ne m'aurait pas poussé à me pousser à poser autant de questions. C'est dans le régime qui, maladroitement, en voulant demander aux médias de s'attaquer, de tirer sur lui à boulet rouge, qui m'ont poussé à penser que, mais tiens, si on s'attaque beaucoup à ce monsieur, parce que depuis plusieurs années aujourd'hui, on n'a jamais autant attaqué un homme politique. Le rôle de ces hommes politiques avant M. Ankré de GMSI en politique et de M. Kamto consistait tout simplement à venir jouer les rôles figuratifs, aller aux élections, participer, bien après vous dire non, les élections n'étaient pas transparentes, après dire bon, malheureusement c'est pas transparent, nous reconnaissons la victoire de M. Bien. Ça devient le statu quo. Aujourd'hui, M. Kamto a eu ce courage de réintégrer l'amour, l'affection et l'engagement politique vis-à-vis des jeunes. Et vous avez vous-même constaté l'engouement avec lequel les jeunes se sont engagés, décident de s'engager en politique. Combien d'années on n'a plus vu cela? Lorsque vous demandiez aux jeunes d'aller s'inscrire, tout ce qui consistait à dire c'est non, tous sont des mêmes. On va s'inscrire, on connaît déjà le vainqueur, il n'y a pas d'adversaire en face. C'est blanc, bonnet, bonheur, blanc. Aujourd'hui, il y a un homme en face qui a montré la lumière aux jeunes, dont les jeunes se sont décidés de s'engager. Les jeunes ont compris aujourd'hui que M. Kamto est celui-là qui est en train de créer une révolution politique. Ceux qui disent aujourd'hui non, c'est pas normal. Oui, je condamne effectivement l'attitude vandaliste de certaines personnes qui se revendiquent d'être de la brigade anti-Sardina à l'ambassade de la France. Je condamne cette attitude parce que je suis de ceux qui pensent que même s'il faut manifester, nous ne devions pas détruire parce que nous allons détruire, mais c'est toujours nous qui allons construire. Ce qui fait qu'on se perd du temps pour rien. Nous devions faire l'effort d'éviter des provocations, des détruits parce que c'est notre bien commun, nous tous. Quand M. Biya partira, il ne doit pas partir avec l'ambassade de France. Il ne doit pas partir avec le complot supérieur de l'État. Il ne doit pas partir avec le Sud. Il ne doit pas partir avec le Centre. Il ne doit pas partir avec sa tribu Yézoumène. Il ne doit pas partir avec Mbomeka. Parce qu'il n'est pas le seul citoyen qui réside là. Donc nous devions faire la part des choses, éviter des actes de vandalisme. Mais je suis tellement offusqué aussi de voir les sorties de certains hommes politiques qui condamnent cet acte de vandalisme tout en ignorant les actes barbares uniquement qu'on a posés sur des citoyens. On a tiré sur des gens. On a tabassé des gens. On a séquestré, on a arrêté injustement et on a enfermé. Ces hommes politiques sont subitement devenus muets. Excusez-moi, même comme je condamne ces deux hommes, rien ne vaut la vie d'un être humain. L'être humain, c'est quelque chose de sacré. Lorsque vous ne vous émeuvez pas devant une attitude déshumanisant pour vous en prendre parce qu'on a piétiné les effigies de M. Biya, seront quand même sérieux. On se souvient, il y a des ministres qui ont assisté comme un bal, comme un jubilé, à décrire les effigies d'un parti politique qui s'est offusqué. Donc je vous prie, non, nous devons faire la part des choses. Et il faut éviter le vandalisme, c'est pas bon. J'ai même cru à un moment donné qu'il y a eu des personnes qui ont été infiltrées de poser ce genre d'actes. Parce que c'est sur ça qu'on se base aujourd'hui pour aider l'insurrection, etc. Bon, c'est l'argument parce que M. Fogué, les raisons, les motifs qui ne sont pas d'insurrection et actes de terrorisme. Parce que vous savez, la dernière loi sur le terrorisme qui est tellement biaisée, il suffit que vous puissiez
dans une toilette et que un juge interprète que vos urines peuvent inciter à la rébellion, quand vous collez directement l'acte de terrorisme. Mais ma foi, l'ordre que M. Kamto a fait circuler avant les marches, je n'ai jamais lu quelque part où il a demandé de casser. Souvenez-vous le dernier direct que j'ai fait avec M. Paul Rikingé. Il était d'accord qu'on aille prendre les ambassades. Et lui-même a réitéré que M. Kamto n'a pas été d'accord et que lui, c'est un homme de paix qui veut tout faire selon les canons prescrits par la loi. Et c'est dans ce sens qu'il va depuis. Je vous disais encore, une confidence que M. Alain Fogueux nous avait faite, des gens sont venus proposer de l'arme à M. Kamto pour descendre là. Il a refusé et il a demandé à M. Fogueux d'appeler les services de sécurité pour leur faire savoir cela. Vous pensez que s'il voulait vraiment mettre le pays à feu et à sang, il ne devait pas en profiter sans être son avocat. Mais autant de réalités poussent naturellement toute personne lucide à se poser des questions. C'est pourquoi je m'interroge aujourd'hui. Si vous estimez, de quand on dit que c'est son nom qui dérange, vous pouvez changer son nom, vous Mbaga, ça ne pose aucun problème. Nous étions tous unanimes ici lorsque M. Atéba critiquait le régime. Il tirait à boulet rouge sur le régime. Lui-même, il avait évoqué ce problème Bamileke. Pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il était tribaliste? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? On connaît comment il est parti. Donc, j'insistais encore à dire à mes frères et sœurs du centre au sud, de l'est à l'ouest, de ne pas vous laisser distraire par ces gens qui ont pour seul but de se maintenir au pouvoir. C'est ça la réalité. C'est ça. C'est pourquoi on veut nous distraire, vous le contre Bamileke. N'entrez plus dans ce jeu, ne commentez même plus, laissez-les là-bas. La souveraineté revient au peuple. Si vous estimez que ce n'est pas Kamto qui est l'homme de la situation, c'est de votre droit. La loi aussi permet aux hommes de se tromper, vous avez le droit de vous tromper. Mais à mon humble avis, je pense que c'est lui. Parce que je vous convoque, je vous prie d'aller lire son programme de société. J'en ai lu, je l'ai écouté plusieurs fois. C'est tellement réaliste, c'est d'ailleurs ce qui m'a convaincu à penser que cet homme est l'homme qu'il faut, est l'homme de la situation. Ce n'est pas pour dire que la science s'infuse. Il y a des personnes qui sont très brillantes, qui peuvent faire mieux que lui, parce que Dieu ne lui a pas donné la science infuse. Demain, quand on ne sera plus là, le Cameroun ne doit pas disparaître. Pensez au moins à ça. Ne pensez pas qu'il n'y a qu'un seul homme qui puisse être en mesure de diriger ce pays. Non. Enlevez ça de vos têtes. Le chef Biloa, qui n'est pas de l'Ouest, a soutenu Maurice Kamto. On a vu des représailles que plusieurs fonctionnaires ont eues parce que tout simplement, ils ont soutenu Maurice Kamto. Pourquoi vous voulez nous faire croire que ce que les colons ont fait à l'époque avec l'UPC en Pays Bassa et Bamileke est en train de se perpétuer? Pourquoi? C'est l'impression que vous nous donnez. Permettez que je me trompe, mais vous me donnez cette impression. Agissez tel que de telle manière que j'ai tort. Pourquoi cet acharnement? Je me souviens encore, au Conseil constitutionnel, M. Grégoire Onin est venu dire, en parlant des Bamileke et des Boulous, que qu'est-ce que les Bamileke et les Boulous sont venus chercher ici? Était-il opportun de le dire? C'était à l'ordre du jour. En filigrane, cela connotait quoi? Le tribalisme. Or, il se basait sur un propos de M. Kamto qui a dit: s'il faut faire un concours pour être Boulou, dites-moi, je vais le faire. S'il faut faire un concours pour être Bétidine, ça signifie tout simplement que personne ne choisit d'où il naît. Dieu pouvait décider que je naisse blanc. Dieu pouvait décider que je naisse éthiopien. Est-ce qu'on a... J'ai choisi. J'ai pas fait... On ne m'a pas demandé mon consentement. Voilà ce que voulait dire M. Kamto. Et en filigrane, il voulait nous faire comprendre que c'est des clichés. Cela ressemble encore à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Cela ressemble encore à ce qu'on a vécu dans les années antérieures. Vous connaissez tous Dubois, le premier noir à avoir obtenu le doctorat. Vous connaissez tous qu'il y avait un cliché. C'est d'ailleurs ce qui a fait naître le mouvement de la négritude, parce que les Blancs, avec le racisme, pensaient que l'homme noir est dénué d'intelligence. L'homme noir n'a pas de culture. L'homme noir est un être humain à reléguer au second rang. L'homme noir fait l'objet de marchandises. On vendait des hommes, on échangeait de l'homme contre le pistolet, contre le sel, contre la poudre à canon, parce que les Blancs ont voulu véhiculer cette image vis-à-vis de l'homme. Nous qui avons critiqué cette attitude des Blancs, qui estimons que les Blancs sont racistes, nous sommes encore en train de le colporter entre nous-mêmes. 100 ans, 200 ans après, regardez comment, dans quoi on verse. Avons-nous besoin d'être là?
Non. Le mouvement de négritude, vous le savez très bien. Les Dumont, on a vu les Aimé Césaire, les Léopold Sédar Senghor se constituer en créant un manifeste à Paris. Ils ont créé un journal pour défendre la cause noire et dire que non, l'homme noir est dénué a une raison. L'homme noir peut dire, l'homme noir peut faire ci, l'homme noir peut faire ça. Allez lire encore Angé Bainvin, qui n'était pas Bamiléké, dans son œuvre intitulée Balafon, qui a eu à convoquer tous ces problèmes dont l'humanité a connu. Souvenez-vous de l'être à Roland Roger. Souvenez-vous de l'être à Moctezuma. Souvenez-vous de lettre à Confucius, souvenez-vous de la lettre collective où il appelait à l'universalité, à l'union des peuples. C'est ce que nous devions faire, colporter cet ouvrage dans notre contexte. Au lieu que les gens passent le temps à nous diviser, non, nous ne devions pas verser dans cela. Si nous avons critiqué le racisme, si nous avons critiqué la barbarie en Afrique du Sud, l'apartheid, où l'homme noir, pour se rendre chez les blancs, il fallait un laissez-passer. Ou un homme noir, pour parler avec un blanc, il fallait un laissez-passer. Parce qu'on estimait que l'homme noir n'a pas de raison. Cela se voit de façon micro aujourd'hui entre les tribus. Ne donnons pas semblant. À l'époque, il n'y avait même pas trop d'intellectuels, il n'y avait pas trop de livres, il n'y avait pas accès aux livres comme maintenant. Maintenant, nous avons accès aux livres. Il y a des applications. Il y a Amazon. Vous partez sur le net, vous cliquez des livres gratuitement, vous lisez. Comment, avec toute cette culture, on en vient à tomber dans ces pièges? Opposons un refus catégorique à ceux-là qui veulent nous faire verser dans le sang. Non. Quand je vais à Douala, je suis accueilli par beaucoup de mes amis qui sont de Douala, qui sont du littoral. Quand je vais partout ailleurs, dernièrement, j'étais à Ibolova, en Angalane. Je vais vous faire une petite anecdote. Ils ont même voulu me donner le titre de notabilité. Ça m'a tellement. L'hospitalité que j'ai vécue là-bas, chez le bas peuple d'Engalane, ce n'est pas ce que les élites veulent nous faire véhiculer. On ne doit pas verser dans ce piège. De tout ce qui se passe, tout ça, tous ceux-là ont constitué ce bloc. Ils sont tous les Niak, les Kavaï, les Peter Mafani Moussonga, les Paul Biya. Tous viennent de toutes les aires géographiques. C'est ces élites-là. C'est eux. Parce que tout cela leur profite. Dès que vous agissez tel que vous agissez, c'est le statu quo. Vous faites ça, c'est le statu quo. Tournons-leur le dos. Nous devions tourner le dos à ce genre de prophètes. C'est une mauvaise prophétie qui consiste tout simplement à nous diviser. Je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. Mon direct a duré pendant une heure. Vous savez généralement que je ne suis pas long dans mes directs. Donc voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Et je profite encore en sortant par là à vous dire, la vie de Jean-Bruno Tagne est actuellement menacée. Très menacée. Parce que au regard de son indépendance, de sa posture, vous savez qu'il a toujours des analyses très pertinentes. Sa vie est menacée. Je le réitère encore. Vous avez d'ailleurs vu le test qui a été produit et qu'on l'a inculqué. Ce n'est pas fortuit. Donc, interrogez-vous sur le contexte de ce test. Également, Aman Mana, vous avez vu la une de son journal. La plupart des journaux ont titré, ont fait des titres. Je vous ai dit que 100 000 et 150 000 ont circulé pour cette jetée de publication qui ont produit ces journaux. On connaît comment ça se passe. Il y a une jetée de publication ici qui est chargée tout simplement, qui est d'ailleurs de l'Ouest comme moi. C'est lui qui est chargé de gérer ses affaires. Il prend l'argent, il va, il imprime le journal, il lui donne la moitié. On connaît comment ça se passe. Et bizarrement, l'information vient toujours d'eux. Parfois, ils ont pitié de moi, ils me donnent une Guinness de bois, en me racontant cela. Vous comprenez que malgré ça, c'est vrai, je peux comprendre que certains hommes de médias peuvent se clochardiser parce qu'ils sont tellement. Peuvent se compromettre parce qu'ils sont tellement clochardisés. Ils doivent nourrir une famille, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Ils sont victimes du chantage. Mais je pense qu'eux aussi, ils ont une responsabilité. La société les appelle. Ils doivent contribuer à éduquer la société, non pas à les diviser. Les unes qu'ils ont fait lundi ne contribuent pas à la cohésion sociale. Si demain on décide de tuer tous les Bamiléké, qu'est-ce que vous allez gagner? Si demain on décide de tuer tous les Bassa, les Boulou, qu'est-ce que vous allez gagner? Dès que vous n'en pouvez pas. Évitons vraiment cela. Nous devons tirer les conséquences de ce qui s'est passé ailleurs et se regarder droit dans les yeux. Je vous disais encore, le problème n'est pas un problème de tribu. Allez demander à Chatu pourquoi l'argent d'interview ne passe plus à Canal 2. Qu'il vous donne les réponses. Je vous remercie encore une fois de plus. Avant de sortir d'ici, je voudrais aussi
vous dis à mes frères, à tous ceux qui nous écoutent, de beaucoup faire attention. Tous ceux qui nous entourent, il y a beaucoup de pièges autour de nous. Soyez prudents. Évitez, même quand vous faites des manifestations, que ce soit en Europe, évitez les débordements. Si les gens veulent procéder par la barbarie, identifiez-les, vous faites appel à la police, vous pouvez manifester pacifiquement. C'est faisable, c'est possible. En manifestant pacifiquement, vous donnez raison aux gens de croire que vous êtes des personnes civilisées. Donc, d'ici à là, je vous remercie pour m'avoir écouté pendant cette 1 heure et en disant que restez soudés. Je sais que je suis dans le viseur, mais soyez en ce. Une aiguille n'a pas besoin d'une formation pour poisser un pompier. Quelle que soit la tombée de la nuit, le jour s'élèvera. Peut-être ce jour pourra s'élever avec moi. Je vis à Yaoundé. Je suis en insécurité, mais rassurez-vous, je n'ai peur de rien. En m'engageant dans ce sentier, je sais à quoi je m'attends. Leurs attitudes, leurs menaces, tout ce qu'ils font contribue plutôt à nous radicaliser. Je voudrais profiter ici pour saluer certains responsables de l'armée camerounaise qui, de façon professionnelle, m'ont appelé pour me dire des choses. Je ne vais pas citer les noms, ils vont s'identifier. Je salue cette attitude. Je salue cette attitude. Je salue cette démarche qu'ils ont entreprise. C'est de cette nation que nous voulons construire. Donc, rassurez-vous, on donne tout entre les mains de Dieu. Au revoir.